Well, the next speaker is Pierre Crépel, Université de Lyon, un disciple oublié de Lagrange et le baron Maurice. Please. Ben, merci. Per la prima volta in Pisa non leggo la mia comunicazione in italiano. Oggi userò tre idiomi proporzionati a quelli usati da Lagrange nelle sue opere, cioè un minuto in italiano, 5 secondi in tedesco e il resto in francese. C'est donc Lagrange qui nous réunit, et plus particulièrement en ce mois d'avril 2013, le bicentenaire de sa mort. Mr. Chairman, on ne chahute pas. Le savant a été honoré à Paris, aussi en Italie, de façon contrastée, fort peu à Berlin et fort peu ailleurs. La plupart des rues ou des parcs de Lagrange se rapportent à une grange disparue. Das ist keine Lagrange-Straße, das erinnert an eine verschwundene Scheune. Voilà pour l'allemand. Ou à un homonyme. Alors, hop, voilà. J'adore, c'est à Genève, hein, parc de Lagrange. C'est un homonyme qui s'appelle Lagrange, mais j'adore surtout ce qui est écrit en bas, parc public inaliénable destiné à perpétuité à l'agrément de la population genevoise. Ça, c'est un défi à la privatisation. Ce sont surtout les mathématiciens qui parlent de Lagrange, ou plutôt s'inspirent de ses travaux. Assez peu du personnage lui-même. C'est pourquoi je tenterai de rééquilibrer ce bicentenaire en évoquant, très partiellement, l'homme lui-même et ce qu'on en a dit et fait à la fin de sa vie et au début de sa mort. De 1811 à 1828, paraît en 52 volumes, in octavo, le plus grand dictionnaire biographique universel qui ait jamais existé, la biographie universelle ancienne et moderne des frères Michaud, sorte d'équivalent de l'encyclopédie Diderot d'Alembert pour les entrées de noms de personnes de tous les pays et de toutes les époques. Michaud se vante d'avoir attiré parmi ses environ 350 collaborateurs des noms prestigieux comme Benjamin Constant, Madame de Staël, Chateaubriand, etc. Et, pour les sciences mathématiques, physiques et astronomiques, Jean-Baptiste Biot, Jean-Baptiste Delambre, Sylvestre-François Lacroix et Jean-Frédéric Théodore Maurice. Les trois premiers sont bien connus, le quatrième beaucoup moins. Lagrange est mort le 10 avril 1813. Les uns disent à 8h30 du matin, d'autres à 9h45. Nous pourrons en discuter après. À ses obsèques, au Panthéon, le 13 avril, le discours principal est lu par la CEPED, avec un supplément par la place. Biot et Poisson publient une notice dans le journal de l'Empire dès le 28 avril 1813. L'éloge du défunt est prononcé à l'Académie des sciences de Paris le 3 janvier 1814 par Delambre, puis publié des 17 au 19 janvier dans le Moniteur universel. Le 22 mai 1815 a lieu l'acquisition des manuscrits de Lagrange par l'État et l'Académie nomme une commission composée de Lacroix, Legendre, Poisson et Prony pour décider de leur utilisation. Et Lacroix a publié la liste des ouvrages de Lagrange en 1815 en appendice de la nouvelle édition du tome 2 de la mécanique analytique. Pourquoi donc Michaud a-t-il confié à ce quatrième collaborateur, beaucoup moins connu, Maurice, cette notice sur Lagrange que Delambre, Biot et Lacroix étaient si bien placés pour rédiger? C'est donc ma première question. Et qui était alors ce Maurice? Qu'a-t-il fait en mathématiques? Où et comment a-t-il connu Lagrange et ses œuvres? Qu'en a-t-il dit dans sa notice de la biographie universelle et ailleurs?
Et pourquoi s'intéresser à, disons, un homme moyen, pour reprendre une expression de Quetelet, hein, ou à un homme normal, comme dirait le président de la République française, en plein bicentenaire de la mort d'un si grand savant que Lagrange? Je ne vous apprendrai rien sur les hautes mathématiques, pas grand-chose sur les basses, un peu sur Lagrange, davantage sur quelques mathématiciens célèbres du temps, un peu plus sur Maurice, que vous ne connaissez probablement pas, et j'essaierai quelques réflexions sur le problème mathématique suivant, sachant X, trouver Y et Z. En d'autres termes, c'est un problème d'histoire des sciences et non un problème de mathématiques. Étant donné un mathématicien X, trouver deux personnes peu étudiées par les historiens des mathématiques, Y et Z, qui, par leur correspondance, nous apprennent quelque chose de nouveau sur X. Alors prenons X égale d'Alembert. Je crois qu'ici on peut rendre hommage au grand historien italien Franco Venturi. Hein, Y et Z, eh bien ça va être Auguste de Keralio et Paolo Frisi. Dans la correspondance entre Auguste de Keralio et Paolo Frisi, on apprend beaucoup de choses sur d'Alembert, sur Condorcet, sur l'Académie des sciences. Alors, bien entendu, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup d'équations et beaucoup d'inconnus, donc il peut y avoir plusieurs solutions. Hein. Mais si X est Lagrange, Poinsot ou Legendre, je vais me proposer de vous résoudre l'équation en disant que Y peut être Maine de Biran et Z le baron Boris. Mon exposé consistera presque exclusivement en une présentation de documents inédits, enfouis ou inconnus, issus des archives de la Creuse, des archives de la Dordogne et des archives d'État de Genève. Je vais procéder chronologiquement en vous lisant quelques passages de la seule vraie notice biographique écrite sur Maurice par son ami et disciple, l'astronome genevois Alfred Gautier, publiée dans la Bibliothèque universelle de Genève d'octobre 1851, et cela en effectuant une trentaine d'arrêts sur image. Je commence par la première ici. Vous verrez peut-être une petite rue Maurice, hein, et coupe la rue Dumont là. Alors effectivement, je vais reprendre ça. Eh bien, cette petite rue Maurice, en voici l'explication. Jean-Frédéric Théodore Maurice naquit à Genève le 13 octobre 1775. J'ai bien fait attention de dire 70. Il appartenait à une famille distinguée, originaire de Provence, mais depuis longtemps établie dans notre ville c'est-à-dire Genève, pour cause de religion. Frédéric Maurice, on ne dit plus Jean-Frédéric Théodore, hein, je me contenterai de dire Frédéric, était petit-fils d'Antoine et fils de Frédéric Guillaume Maurice. Ce dernier a été l'un des fondateurs de la Bibliothèque britannique et a exercé longtemps, de la manière la plus honorable, sous le régime français, les fonctions de maire de la ville de Genève. Donc, cette rue Maurice que vous avez ici, ça n'est pas le nôtre, c'est son père, agronome, et fondateur de la Bibliothèque britannique, une revue extrêmement importante, hein, qui est devenue après Bibliothèque universelle et qui avait pour objectif de faire savoir au public genevois et même plus largement un certain nombre de nouveautés scientifiques et culturelles qui pouvaient exister, notamment en Grande-Bretagne, mais aussi en France et dans l'Europe entière. Alors, la famille Maurice a beaucoup habité et habite encore, je pense, leurs descendants à Chougny, que vous trouvez ici. Chougny, c'est à peu près à 5-10 kilomètres de Genève. Et je vous dirai tout à l'heure comment je suis arrivé là via les archives départementales de la Dordogne. Mais c'est là que se trouvaient les manuscrits de la famille Maurice,
de l'ensemble de la famille qui ont été donnés depuis les années 1980 aux archives d'État de Genève, d'où sortent une bonne partie des documents dont je vais vous parler. Frédéric Maurice, après avoir fait de bonnes études classiques dans nos établissements, quand je dis « nos », c'est toujours Genevois maintenant, d'instruction publique, montra promptement un goût très prononcé et une aptitude particulière pour les sciences mathématiques et pour l'astronomie. À l'âge de 20 ans, il commença à faire avec M. le professeur Marc-Auguste Pictet, un des autres fondateurs de la Bibliothèque britannique, quelques observations astronomiques dans l'observatoire fondé à Genève en 1773 par Jacques-André Mallet, dont Maurice fera la notice biographique dans Michaud. Et il fut déjà nommé à cette époque membre de la Société des Arts, présidée alors par le célèbre de Saussure, celui qui a fait croire qu'il était monté au Mont-Blanc, alors que tout le monde sait en premier que c'est Balmat. Et il fut déjà nommé, à la suite d'un voyage fait à Genève en 1796 par l'astronome Jérôme Lalande. On le lui confia pendant quelques temps pour le faire travailler à Paris sous sa direction. Lalande avait alors au Collège de France un petit observatoire où M. Maurice continua à s'exercer aux observations et aux calculs astronomiques. Il entra dès cette époque en relation avec le célèbre Laplace, qui lui proposa même de coopérer aux immenses calculs qu'exigeaient ses travaux de mécanique céleste. Il se lia aussi avec Lagrange et Legendre et a dès lors entretenu longtemps des relations d'amitié avec ses illustres géomètres. Alors, je vous montre là une lettre que vous aurez peut-être quelque mal à déchiffrer, mais je vous dis comment elle commence. Elle est datée de Bourg-en-Bresse, le 27 août 1796. C'est une lettre de Lalande, sa petite écriture très caractéristique. « Mon voyage a fini, mon cher enfant. » C'est ainsi que Lalande parle à Maurice, qui n'était pas baron, et bien entendu encore à l'époque, aussi bien qu'il avait commencé. Je me fais un plaisir de vous en donner, etc. Voilà. Je ne lis pas la suite, je pourrais vous la transcrire, d'ailleurs, peut-être l'est-elle, dans le petit polycopier que je vous ai fait. Mais je voulais surtout insister ici sur le rôle social de Lalande. Lalande est un grand astronome, assez bon observateur, bon calculateur. Il fait calculer d'ailleurs beaucoup de femmes à son bénéfice, mais il calcule aussi lui-même. Il s'intéresse aux mathématiques, il s'intéresse quand même un peu à la théorie. Vous voyez d'ailleurs qu'il ne croit pas beaucoup au calendrier républicain, puisqu'il va donner toutes ses dates dans le calendrier grégorien. Et il a des raisons scientifiques pour cela, ce n'est pas des raisons anti-révolutionnaires. Mais surtout, Lalande est quelqu'un qui a un rôle, un réseau extraordinaire. Et c'est donc lui qui a détecté Maurice et qui essaye de l'attirer un peu plus vers les sciences, notamment à Paris. Alors, Maurice va venir à Paris. Je n'ai fait qu'une sélection de quelques lettres et quelques documents là-dedans. Il y en a bien d'autres dans les archives de la famille. Mais je voulais attirer votre attention sur ce document suivant. Lalande envoie Maurice à Londres, à l'observatoire. Et ici, vous avez les instructions de la main de Lalande, le 21 avril 1797. Je prie mon cher Maurice, maintenant c'est plus mon cher enfant, de faire bien des compliments pour moi à M. Maskelyne, M. Banks, M. Ramsden dans Piccadilly, à M. Herschel, etc. Et puis il lui donne un certain nombre d'instructions sur ce qu'il doit ramener, sur les mesures qu'il doit vérifier, etc. Voilà, donc Lalande était un personnage extrêmement minutieux, extrêmement prolixe dans ses écrits, bien entendu, mais aussi extrêmement minutieux. Voilà. Alors Maurice reste quelque temps à Paris, et puis il rentre chez lui, à Genève. Vous avez là la lettre du 1er juillet 1797.
Nous vous avons bien plaint, mon cher ami, la pluie, hein, on a un petit peu du, c'est là, et puis pluie, P-L-U-Y-E, toute la journée à votre départ, vous n'avez pas été couché à Sens, etc. Donc ça, c'est le retour de Maurice vers Genève. Donc Maurice a passé un an, c'est-à-dire l'an 5, hein, 1796-1797, sous le directoire à Paris. Voilà, pendant ce temps-là, il a eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de savants. Donc, je vous ai cité trois noms tout à l'heure, les trois grands L, hein, Laplace, Lagrange et Legendre. Mais il y a aussi un L moyen, à défaut d'être un petit L, c'est Lacroix, hein, personnage qui n'est pas du tout inintéressant. Voyez cette lettre ici, Paris, je n'ai pas dû la transcrire, celle-là, le premier germinal en 7, hein, et il y a des discussions sur le traité de calcul différentiel et de calcul intégral, celui qui a fait connaître l'ensemble de ces choses à un public beaucoup plus vaste que ne l'avaient fait les grands du XVIIIe siècle. Voilà. Alors que devient ensuite notre ami Maurice ? Eh bien, il fit un voyage en Angleterre, ça je vous l'ai dit. Monsieur Maurice revint ensuite à Genève et y prit une vive inclination pour mademoiselle Nancy Diodati, qui joignait aux grâces de la figure une instruction soignée, ainsi que les qualités les plus aimables et les plus précieuses de l'esprit et du cœur. Il l'épousa en 1798, n'ayant encore que 23 ans, et cette union aussi tendre que bien assortie a fait pendant 27 ans le bonheur de sa vie. Dans le cours de la même année, le Sénat académique de Genève élut M. Maurice professeur honoraire de mécanique analytique. Alors j'adore le honoraire à 23 ans, hein, mais tout le monde a le droit d'être très précoce. La réunion de Genève à la France en 1798 ouvrit à M. Maurice un théâtre plus étendu. Il fut nommé en 1801 examinateur des aspirants à l'école polytechnique. Ce poste scientifique important et honorable témoignait hautement l'estime qu'on avait pour sa personne et pour ses talents. Donc là, je vous ai mis sa lettre de nomination, hein, que je peux vous lire un petit peu, peut-être. Hein. Je vous ai assigné les examens dans les communes de Dijon, Strasbourg, Metz, Chalon-sur-Marne et Auxerre. Et vous avez ici une lettre un petit peu plus tardive qui est envoyée en instruction à l'ensemble des examinateurs des candidats à l'école polytechnique, hein, que je vais vous résumer rapidement. Pour Paris, c'est le citoyen Biot, celui dont nous avons parlé tout à l'heure, Jean-Baptiste Biot. Les examens commencent le premier jour complémentaire de l'an 11. Vous savez, dans le calendrier républicain, à la fin, vers le 15 septembre, il y avait un certain nombre de jours complémentaires, hein, puisque 12 fois 30 ne fait que 360. Le citoyen Lévesque, un personnage qui n'est pas inintéressant, qui est de l'ouest de la France, de Nantes, je pense. Brest, Rennes, Caen, Rouen, Douai et Bruxelles. Le citoyen Monge Junior, donc je pense que c'est le frère de Gaspard Monge, de nos célèbres Gaspard Monge, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Poitiers et Tours, et le citoyen Maurice, Turin, Grenoble, Lyon, Dijon, Strasbourg, Mayence et Metz. Donc je ne pense pas que Maurice ait quitté Genève à cette époque, hein, il était toujours là, et il faisait sa tournée, comme Bézout et autres faisaient leur tournée, pour interroger les élèves. Voilà. Alors, Maurice reste donc professeur honoraire de mécanique analytique. Il doit faire un certain nombre de cours. Je n'ai pas encore trouvé quoi. Hein, mais il est évident qu'il s'intéresse à tout cela, puisque voici une autre lettre de Lalande.
toujours à Bourg, hein, puisque Lalande était originaire de Bourg-en-Bresse, comme vous savez, hein, et il faisait souvent des voyages, et quand il allait à Genève, bien sûr, ben, il s'arrêtait à l'aller ou au retour à Bourg. Hein. Je vous fais mon compliment, cher confrère, c'est, vous voyez, c'est plus mon cher enfant, c'est plus mon cher Maurice, c'est déjà cher confrère, bien qu'il ne soit pas académicien, sur les succès de votre cours d'astronomie. Je m'en réjouis et je vous porte envie. Voilà. Je voudrais bien savoir si l'ouragan du 4 juillet s'est fait sentir, etc. Et il profitait à Genève, hein, il profitait à chaque fois de l'occasion pour avoir une discussion sur quelques questions scientifiques. Voilà. Donc, résumons-nous. Maurice a passé un an à Paris, l'an 5, 1796-1797. Il y fait des voyages peut-être une fois de temps en temps. Hein? Et puis, eh bien, il va s'installer en France assez durablement. Alors, nous avons là, j'ai trouvé la première lettre qui est envoyée à Maurice par Lagrange. Hein? Le sénateur et Madame Lagrange prient Monsieur Maurice de leur faire l'honneur de venir dîner chez eux dimanche prochain 14 du courant à 5h. Hein? Et RSVP, je pourrais répondre, SV s'il vous plaît. Hein? C'est une lettre du 11 décembre 1806. Donc là, Maurice est à Paris. Hein? On voit qu'il est relativement... Ils sont relativement proches, puisqu'ils s'invitent. Et vous avez l'adresse, hein, qui est au dos. Il faudrait peut-être, je vais pouvoir faire, je ne sais pas, ruota in senso. Hein, voilà, hop, tac. Et encore une fois, hein, et vous allez voir l'adresse. Voilà, à M. Maurice, auditeur au Conseil d'État. Il vient d'être nommé en 1806 auditeur au Conseil d'État. Rue de la Fontaine, numéro 12, près l'hôtel de Richelieu, à Paris. Mais il ne va pas rester longtemps à Paris, parce que Maurice va être nommé préfet de la Creuse. Donc nous allons continuer notre petit voyage, et nous allons faire étape à Guéret. Alors je suis bien entendu allé aux archives départementales de la Creuse, à Guéret, hein, lieu... On est extrêmement bien accueillis, où on apprend beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'un préfet sous l'Empire ? À peu près la même chose qu'un intendant d'Ancien Régime. C'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe à peu près de tout dans le département, qui chapeaute l'ensemble et souvent avec un travail assez sérieux à effectuer. C'est bien classé, hein, on trouve ça assez facilement dans la série M des archives départementales. Et par exemple, bon, ben, en ce qui concerne la Creuse, hein, vous voyez, la série M est décomposée en un certain nombre de sous-séries. Administration générale du département, personnel administratif, plébiscité et élections, police, santé publique et hygiène, population, affaires économiques, statistiques, agriculture, eau et forêt, commerce, industrie, travail et main-d'œuvre. Donc, dans toutes ces séries, vous avez la correspondance active et passive du préfet, vous avez son dossier, vous avez beaucoup de choses sur ce qu'il fait. Il s'occupe de la conscription, il s'occupe de l'organisation, des cours industriels, etc. Et tout ça. On peut assez bien suivre donc ce qu'a fait le baron Maurice là-bas. La Creuse, c'est dans le centre de la France, c'est entre Clermont-Ferrand et Limoges, on va dire. Hein, c'est un département qui est considéré comme l'un des départements de la France la plus profonde, selon l'expression consacrée. Hein, département rural. Hein, Donc là, il a été nommé le 6 mars 1807, vous avez sa nomination, et je vous mets ici ce que j'ai trouvé, parce que j'ai eu beaucoup de chance, dans le département de la Creuse, peu avant sa nomination comme préfet, est créé un hebdomadaire qui paraît, comme son nom l'indique, toutes les semaines, et parle des événements de la Creuse et des événements nationaux, etc. Alors, voilà, qui est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant, vous allez voir. Ici, d'abord, je vous ai mis la transcription. Alors, je vais vous dire en quelle page. Hein, cette transcription,
Je pense que vous l'avez, page 9. Ce sont des vers présentés à M. Maurice, auditeur au Conseil d'État, préfet du département de la Creuse, par messieurs les élèves de l'école de Guéret. Et ces vers pour son installation. Alors pleure le préfet précédent et disent que nous allons avoir un autre préfet qui va être absolument extraordinaire. Hein ? De son premier époux, c'est-à-dire un premier préfet, et on parle de la Creuse là, chérissant la mémoire, d'un autre hymen la Creuse aimait les douces lois et voyait sur ses bords accroître avec sa gloire le bonheur d'obéir aux plus sages des rois, hein, etc. Et puis, vous voyez, à la fin, donc le jeune Maurice arrive, partez donc de Paris, jeune Maurice, allez, dit le monarque, illustrer ses talents, les joindre à leurs vertus, d'un père généreux, voilà par quelle marque le fils et l'héritier doit être reconnu, etc. etc. Bien. Mais dans une petite parenthèse, là, dans ce journal du département de la Creuse, il y a pas mal d'autres choses qui sont tout à fait intéressantes et que je pense vous retrouver quelque part, voilà. Hein, en particulier, on s'occupe de l'hygiène. Hein, et je dédie d'abord ce premier passage que vous aurez, page 6, à notre ami Jean-Pierre Bourguignon, ici présent, hein, parce que ça s'appelle « Des cheveux courts et sans poudre hein, ». Et voilà ce qui va t'arriver. Donc on conçoit sa répercussion, les retombées nuisibles de ta coiffure, sera plus dangereuse puisque la manière perspirable séjournera en plus grande quantité dans le tissu cellulaire que par son acrimonie elle irritera davantage et qu'elle produira des fluxions, des douleurs d'oreilles, la carie des dents, des migraines, des ophtalmies, entre parenthèses inflammation des yeux, des éruptions de boutons ou autres, des maux de gorge, des maladies de poitrine, etc. Très rebelles. Et donc on t'explique qu'il faut que tu aies les cheveux longs, pommadés et poudrés pour ton hygiène. Voilà. Et puis, d'autre part, j'ai trouvé autre chose sur l'usage des bretelles élastiques, hein, qui est tout à fait nuisible. Il faut, à la place, avoir des ceintures. Alors, vous risquez, si vous portez ça, en exerçant leur force d'élasticité continuelle sur les parois du thorax, empêchent le développement des poumons, les font refouler sur l'estomac, dont ils dérangent les fonctions, sur le cœur, dont ils troublent la régularité des mouvements, sur les intestins, dont ils provoquent le déplacement, de là les phtisies pulmonaires, les obstructions du pylore, les anévrismes de l'aorte, etc., etc. Bon, voilà. Donc, portez des ceintures, ne portez plus des bretelles. Voilà, donc nous sommes dans le département de la Creuse, et c'est donc de 1807 à 1810 que Maurice est préfet de la Creuse. Puis il passe préfet de la Dordogne. Alors il passe préfet de la Dordogne en février 1810. La Dordogne, c'est Périgueux, hein, entre Bordeaux et Toulouse, on va dire Bordeaux et Clermont. Hein, dans, voilà, centre de gravité, Bordeaux, Clermont, Toulouse. Alors ça devient beaucoup plus intéressant. Hein, ça devient beaucoup plus intéressant parce que c'est là qu'il va se trouver justement à l'époque de la mort de Lagrange. Hein, et ça devient beaucoup plus intéressant pour une autre raison, c'est qu'étant préfet de la Creuse, il est le supérieur hiérarchique du sous-préfet de Bergerac. Mais le sous-préfet de Bergerac, ce n'est pas n'importe qui, c'est Maine de Biran, un philosophe important, qui est dans le, on va dire, un peu dans le courant dominant de la philosophie de l'époque, vous voyez, où il y a des gens comme Royer Collard, Camille Jordan, grand-père, hein, du mathématicien, Théodore Jouffroy, Damiron, Victor Cousin, etc. Hein, et Maine de Biran va donc se trouver un an et demi sous-préfet de Bergerac pendant que Maurice est préfet de la Dordogne, mais il monte à Paris alors que Maurice reste préfet de la Dordogne. Et ils se sont liés ensemble pour des raisons qu'on comprend bien. Et nous allons avoir une correspondance entre Maine de Biran à Paris et le baron Maurice à Périgueux, où Maine de Biran va lui exposer un certain nombre de choses relatives à son département qu'il apprend au niveau national, mais aussi va lui exposer un certain nombre de choses qui se passent à Paris
soit autour de la mort de Lagrange, soit à l'Académie, soit avec les mathématiciens, etc. Alors, où en étais-je ? Voilà, c'est bon. Donc, je continue. Et, eh bien, à cette époque, il y a de la correspondance aussi entre Maurice et puis cette correspondance directe entre Maurice et un certain nombre de mathématiciens. Donc je vais un petit peu plus loin. Là, vous avez une lettre de Poinceau. Hein, Pau, le 20 juin 1811. Monsieur est très honoré confrère en Euclide. Vous avez bien voulu, etc. Hein, et puis celle d'avant, eh bien ça c'est une lettre de, c'est une lettre de Lagrange, hein, du 30 janvier 1812. Que je vous ai transcrite, alors que vous allez trouver une lettre qui n'est pas inintéressante, hein, que vous allez trouver page 4 de mon petit polycopier. Je vous la lis. « J'ai reçu votre beau et bon présent, monsieur. » Vous voyez, il n'est pas extrêmement intime, finalement, hein, dit monsieur. « Votre beau et bon présent, et je vous prie d'en agréer mes vifs remerciements, ainsi que ceux de ma femme qui a été aussi sensible que moi à cette marque de votre souvenir. » Ayant appris que j'avais un volume à vous envoyer, elle a voulu y joindre une bagatelle pour Madame Maurice, à qui vous voudrez bien l'offrir de sa part. Comme j'espérais toujours vous voir ici pendant l'hiver, je ne me suis pas empressé de vous faire parvenir la nouvelle édition de ma mécanique. Donc nous sommes en 1812, c'est le premier tome, 1811, de la mécanique analytique, hein, dont il ne paraît encore que le tome premier. Je ne sais pas si vous y trouverez les développements que vous m'aviez paru désirer. J'aurais peut-être mieux fait, ce qui m'aurait coûté beaucoup moins de peine, de me borner à ajouter quelques notes à l'ancien ouvrage que d'entreprendre de le refondre presque en entier, mais j'ai craint de nuire à la liaison des matières et de lui faire perdre le mérite de l'ensemble. Je désire que vos occupations vous permettent d'y jeter les yeux et je vous demande d'avance toute votre indulgence. Je ne sais encore quand le second tome pourra paraître. Nous verrons qu'ils paraîtront à titre posthume et nous aurons un certain nombre d'informations par Mène de Biran sur la façon dont, dont ça s'est passé. Je vous prie de présenter mes respects à Madame Maurice, etc. Vous voyez ? Alors, donc, cela signifie au moins, hein, bien que je n'ai pas du tout l'intention de vous dire que Maurice soit un savant important, hein, mais qu'il y avait des discussions entre Maurice et Lagrange sur un certain nombre d'ouvrages de Lagrange. Et nous verrons qu'il y en avait encore plus avec Le Gendre et avec quelques autres. Hein? Ce qui peut être intéressant par rapport à la diffusion des sciences et par rapport à ce que comprennent les gens, finalement, de ce qui est diffusé. Voilà. Donc, je continue là. Voilà. Et je passe donc au plus beau. C'est la correspondance entre Mène de Biran et le baron Maurice. Alors, eh bien, elle a été publiée, enfin, ou du moins en partie. Elle a été publiée par qui ? Bah, par un historien de la philosophie, qui n'est pas n'importe qui, c'est Henri Gouillet, qui l'a publiée dans le bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, en 1963. Voilà, et à la fin, justement, il dit « Ah, je remercie Madame Léopold Maurice de l'accueil qu'elle m'a fait dans sa maison de Chouigny, etc. » Donc c'est comme ça que j'ai eu la puce à l'oreille et je me suis empressé, sachant que cherchant où c'était à côté de Genève, de demander à Jean-Daniel Candeau, qui est un historien de Genève bien connu, qui m'a dit « Oui, mais ça a été versé aux archives d'État de Genève. » Donc évidemment, j'ai immédiatement débarqué là-bas. Je ferai remarquer quand même que Henri Gouillet n'a pas publié l'ensemble de la correspondance de Mène de Biran à Maurice. Il n'a publié que la correspondance privée ultérieure, au moment où Mène de Biran se trouve à Paris. Mais il y a aussi dans les archives, nous allons maintenant faire un petit voyage à Périgueux, hein, dans les archives de la Dordogne, dans la série M toujours, un certain nombre de lettres extrêmement intéressantes de Mène de Biran à Maurice, et autres, des rapports, etc., et qui montrent bien la façon dont ces gens, qui étaient ce qu'on appellerait aujourd'hui des intellectuels importants, hein, soit en tant que philosophes, soit en tant que scientifiques, concevaient l'administration.
hein, en particulier sur, on pourra y revenir dans la discussion si vous voulez, mais là si je m'engage là-dedans, je ne vais pas tenir dans le temps, hein, sur une épidémie qui a eu lieu dans un village et comment ils essayaient de traiter ce genre de choses, ou sur les questions des statistiques, hein, parce que les statistiques départementales, à l'époque de Napoléon, puis après, hein, ce sont des choses qui ont eu une histoire tourmentée et extrêmement intéressante. Alors, je vais seulement vous évoquer trois points qui se trouvent dans la correspondance de Maine de Biran avec Maurice. Et ces trois points sont les suivants. La succession de Lagrange au Bureau des Longitudes et à l'Académie des Sciences, après sa mort. L'édition du tome 2 de la mécanique analytique et la discussion sur l'éloge qui a été prononcée par Delambre à l'Académie des sciences. Sur ces trois points, il y a des documents intéressants que je ne ferai qu'évoquer de façon assez rapide. Alors, il faut que je la retrouve parce qu'elle s'est envolée. Donc, je vais commencer par ce que je vous ai transcrit, comme ça. Là, je n'ai pas besoin de le retrouver. Donc, ce que... Alors, en gros, voilà. Non. J'aime mieux ne pas faire en gros, quand même. Sur la mécanique analytique. Alors, la deuxième édition de la mécanique analytique, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus et qui donneront des compléments. Je vous dis uniquement ce qu'il y a dans ces documents, hein. Alors, je vous ai mis ça, pages 13 et 14. Hein ? Nous avons d'abord un document peu connu que j'ai là. Pourtant, il est en ligne, hein, vous l'avez facilement sur Google. Ça s'appelle « Précis historique sur la vie et la mort de Joseph-Louis Lagrange » par messieurs Jules-Joseph Viret, l'un des auteurs du Dictionnaire des sciences médicales, membre de plusieurs sociétés savantes, et Potel, docteur en médecine de la faculté de Paris. Donc c'est, comme le fameux grand secret pour Mitterrand, hein, c'est son médecin personnel qui, au moment de sa mort, écrit un certain nombre de renseignements sur sa vie, sa maladie, ses derniers jours, etc. Et puis, on ouvrait le cadavre, et ensuite, vous avez le rapport d'autopsie. Hein. Bon, alors, on pourra discuter de ça si vous voulez après. J'ai demandé à 5 médecins et historiens de la médecine de me faire des diagnostics sur Lagrange, sur sa vie, sa mort, etc. Hein. Mais je voulais simplement, là, vous citer le passage suivant. Cependant, M. Lagrange travaillait toujours et sa force de tête ne paraissait point diminuer. Alors, il dit qu'il a eu des syncopes, etc., et différents ennuis. Tel qu'un athlète infatigable, encore au terme de sa carrière, il avait à cœur de terminer la seconde édition de sa mécanique analytique, à laquelle il ajoutait un très grand développement. Il suffit de voir le nombre de pages et de comparer pour se rendre compte que c'est effectivement très différent de celle de 1788. Hein. Le premier volume avait paru en 1811, renfermant déjà dans la cinquième section la théorie des constantes arbitraires et d'autres combinaisons neuves, non moins profondes. Il paraît qu'il acheva le manuscrit du second volume, alors ça, on verra que ce n'est pas tout à fait exact, hein, à ce qu'on assure l'année dernière, écrit tout entier de sa main. Et en note, on prétend que le troisième volume devait embrasser de nouvelles recherches sur le système du monde et l'astronomie comme partie de la mécanique universelle. Et avec tant d'ardeur qu'il se donnait à peine le temps de prendre ses repas. Ses syncopes augmentaient, etc. Et là, il se remet à parler de sa santé. Alors si maintenant, vous allez regarder dans les lettres de Maine de Biran à Maurice, juste après la mort de Lagrange, vous avez un certain nombre de renseignements. Dans la lettre du 12 juin 1813, c'est pas sur la question, mais c'est sur Prony, qui va entrer en scène bientôt. C'était à propos d'un volume de Transactions philosophiques. C'est pour vous donner une idée de la façon dont Prony traitait ses tâches. Ce volume est toujours malheureusement dans les mains de M. de Promigny, qui promet chaque jour de le remettre et qui toujours l'oublie. M. Charles m'a dit que si je voulais absolument avoir le volume à ma disposition sans délai, il faudrait faire actionner le dépositaire. Je me suis chargé moi-même des poursuites. J'ai promis en conséquence à M. Charles d'être lundi à la séance de la première classe de l'Institut, c'est-à-dire l'Académie des sciences, où doit se trouver M. Prony, et de ne pas le quitter jusqu'à ce qu'il m'ait remis le volume en question. Et puis, un peu plus loin, alors on dit, quant au grand héritage de M. de Lagrange et à sa mécanique analytique,
Quoique ce que vous me dites du légataire, alors vous, c'est Maurice, c'est une lettre que nous n'avons pas, qui est une lettre de Maurice à Mendebiran, du légataire, c'est-à-dire Progny, c'est lui qui était chargé de cela, ne soit que trop fondé, vous voyez, allusion au genre de choses que je vous ai dites avant, Monsieur Progny paraît néanmoins sentir comme il convient l'importance du travail dont il est chargé. Toute l'Europe savante l'en rend responsable, et cette idée est bien propre à exciter son zèle et à fixer sa mobilité naturelle. Il est certain que le second volume, attendu avec impatience, s'imprime assez vite et ne tardera pas à paraître. Mais il y a des problèmes. Dans la lettre du 6 juillet 1813, il explique que la place est malade, et il y a une allusion, donc, à ce qu'on voyait en note chez Viret tout à l'heure, mais c'est une nouvelle édition de la mécanique céleste qu'il faudrait au géomètre, et il est douteux qu'elle soit faite. Monsieur de Lagrange a emporté dans la tombe le projet d'une autre mécanique céleste. Donc ça confirme qu'il avait effectivement l'intention de faire ce troisième tome de la mécanique analytique. Les sciences seraient-elles condamnées à des pertes irréparables? Et puis, c'est les vacances. 1er août 1813, vous apprendrez avec peine que l'impression de la mécanique de Monsieur de Lagrange est suspendue. Madame de Lagrange est partie depuis un mois pour une campagne éloignée de Paris et s'est obstinée, on ne sait pourquoi, à refuser de remettre avant son départ le reste du manuscrit. Elle ne veut pas qu'on visite pendant son absence les papiers de son mari. C'est un travers singulier dont tout le monde s'étonne et s'afflige. Je tiens encore cette nouvelle de Monsieur Lacroix. Monsieur Progny est absent, je ne l'ai pas vu depuis un mois. Et puis, ça finit par avancer. 12 février 1814, j'oubliais de vous dire que Monsieur Progny pousse ferme la mécanique de Monsieur de Lagrange depuis que le reste du manuscrit a été trouvé. On l'aura bientôt. Et si vous regardez le tome 2, en 1815, de la mécanique analytique, vous voyez un certain nombre d'indications des difficultés dans la préface. Hein. Monsieur Progny se chargea de suivre l'édition de ce volume et fut aidé dans la révision des épreuves par Monsieur Garnier, professeur à l'École royale militaire. Il semble donc que c'était en ordre jusqu'à la section 7 ou à la section 8, mais pas pour la section 9. Progny n'a pas eu le temps, il a passé la main à Binet, etc. Ouais. Donc, conclusion, Lagrange travaillait à une édition vraiment nouvelle avec un volume supplémentaire sur la mécanique céleste. À sa mort, ses papiers étaient à peu près en ordre jusqu'à la section 8. Progny, chargé de terminer le travail, n'était pas très fiable. La veuve, méfiante, émettait les bâtons dans les roues. Finalement, Progny s'est fait aider et le tome 2 est sorti laborieusement en 1815 dans une version affaiblie. Alors, comme l'heure tourne un peu, pour les deux autres questions qui ressortent de cette correspondance de Mendebiran à Maurice, je vous résume un petit peu rapidement. D'abord, la succession de Lagrange. Alors, Mendebiran dit « Au bureau des longitudes, Lagrange a été remplacé par Legendre ». Donc ça, c'est très bien. Hein. Mais à l'Académie des sciences, il a été remplacé par Poinceau. Alors là, ça ne va pas du tout. Hein. Poinceau, c'est quelqu'un qui aime bien briller en société, il est assez fainéant, il dort, il a des talents, certes, hein, mais on pense que ça ne donnera pas grand-chose. Et cette élection est considérée comme un triomphe pour Legendre à l'Académie. Hein, cette élection à l'Académie est considérée comme un triomphe pour Legendre et un camouflet pour la place. Et effectivement, j'ai vu la place, il fait la gueule, pour employer des termes qui ne sont pas dans la lettre, hein, il n'est pas content du tout, etc. Voilà. Bon, et puis, il y a un certain nombre d'appréciations, donc, sur les savants à cette époque, et sur ce que les uns disaient des autres, et tout ça, que je vous passe. Ensuite, il y a la question de l'éloge qui est prononcé par Delambre à l'Académie des sciences en janvier 1814. Alors là, je vais vous lire un petit passage. Alors, je vous rappelle, hein, il y en a certains, bon, Luigi évidemment connaît ça très bien, hein, mais tout le monde n'a peut-être pas les dates au jour près en tête. Hein, cet éloge est lu le 3 janvier 1814 à l'Académie des sciences et il est publié rapidement du 17 au 19 janvier dans le Moniteur universel. C'est-à-dire l'équivalent du journal officiel, si vous voulez. Bon. Maurice, qui est préfet de la Dordogne, reçoit rapidement le journal officiel. Il est au courant, vite, et il saute au plafond.
il y a un certain nombre de choses qui ne lui plaisent pas. Alors, je vous lis la lettre qu'il envoie dès le 10 février 1814 au Moniteur universel. « Monsieur, le Moniteur s'est empressé d'imprimer la notice historique sur Lagrange, lue à la dernière séance publique de l'Institut, par Monsieur le Chevalier de Lambre, l'un des secrétaires perpétuels de la première classe. Ce tableau d'une vie pleine de travaux et de gloire sera d'autant plus précieux aux nombreux admirateurs du génie de Lagrange que ceux qui ont bien connu ce géomètre s'empresseront d'attester qu'il est peint avec autant de fidélité que de talent. » Mais vous allez voir, ça va se gâter. Hein ? Cependant, en examinant cette notice avec toute l'attention qu'elle mérite, j'ai cru y remarquer une erreur sur un point qui a quelque importance, tandis que sur un petit nombre d'autres qui en ont beaucoup moins, j'aurais désiré plus d'exactitude, ou ne point trouver matière à douter. En vous adressant, monsieur, les remarques que j'ai faites sur cet excellent article de biographie, je me permets d'y joindre quelques nouveaux détails sur l'homme célèbre dont il nous retrace l'histoire. L'avantage que j'ai eu de voir de près M. Lagrange pendant plusieurs années est un garant de l'authenticité et me fait penser qu'ils seront lus avec intérêt par les amateurs de la géométrie. On y trouvera surtout des directions vraiment précieuses pour l'étude de cette belle science. Je crois devoir les publier dans l'espoir que les jeunes géomètres qui en auront connaissance sauront mieux en profiter que celui qui avait eu le bonheur de les recueillir de la bouche d'un si grand maître. Et c'est signé LBMDG, ce qui veut dire, bien entendu, le baron Maurice de Genève. Hein ? Alors, quelle est cette erreur ? Il faut reconnaître que lorsqu'on lit l'éloge de Delambre, et ça nous ramène au premier exposé, celui de Mariano Giaquinta, le premier jour, c'est qu'il y a une confusion entre le principe de moindre action et le calcul des variations. Alors, là, nous avons, il faut lire en regard, là, les lettres de Maine de Biran à Maurice au même moment. Et dans ces lettres en question, Maine de Biran est intervenu auprès du rédacteur du Moniteur universel pour faire hâter la chose. Et il est intervenu discrètement en lui disant de ne pas prononcer son nom à lui, Maine de Biran. Hein ? Mais il explique la discussion qu'il a eue avec le rédacteur en question, dont je vous retrouverai le nom, Foucault, un nom comme ça, hein, dit, bon, le Moniteur universel a ajouté un certain nombre de notes qui sont appelées par des lettres petit a, petit b, petit c, dont une lettre c. En gros, Delambre dit... je suis d'accord avec les remarques qui sont faites par M. LBMDG. Hein, et en ce qui concerne cette question, cette erreur, c'est dû au fait que dans la version imprimée, on a raccourci mon texte, hein, et que dans le texte que j'ai lu, c'était plus clair, etc. Et Maine de Biran dit sa défense est assez... et pas très convaincante, mais enfin bon, passons, chacun s'en sort avec les honneurs. Et puis ce qu'il y a d'intéressant, après il y a un certain nombre d'autres informations sur lesquelles je passe, hein, mais ce qui est particulièrement intéressant après, c'est que Maurice dit, voilà, Lagrange ne voulait jamais parler de lui, il ne voulait jamais parler de la façon dont il travaillait, mais un jour, comme ça, eh ben, il a accepté. Et puis il donne par le détail, hein, ce que lui a dit Lagrange sur la façon dont il travaillait. Voyez, un jour qu'il m'entretenait de cette répugnance à donner des directions et à conseiller une manière d'étudier plutôt qu'une autre, hein, ça rejoint la question qu'on posait tout à l'heure sur ses élèves, ses disciples, etc., hein, il la rapporta à ce qu'il n'avait jamais eu de maître ni de compagnon dans ses travaux, en sorte que les occasions de traiter ce sujet lui ayant manqué, il n'en avait pas l'habitude. Ce n'est pas, continua-t-il, que je n'eusse pu en parler tout comme un autre, car je crois avoir bien réfléchi de bonne heure sur la meilleure marche à suivre dans l'étude de l'analyse, et je m'étais fait un certain nombre de principes que j'ai toujours fidèlement suivis et que je vais vous citer. Et là, il y en a 7 ou 8. Je n'étudiais jamais dans le même temps qu'un seul ouvrage, mais s'il était bon, je le lisais jusqu'à la fin. Je ne me hérissais point d'abord contre les difficultés, etc. Si vous voulez, je pourrais vous faire la photocopie de ceci. Mais enfin, le Moniteur universel du 26 février 1814, hein, vous le trouverez facilement en bibliothèque.
Je vous évoque quand même un autre passage qui me paraît intéressant et qui rejoint un petit peu ce qu'on disait le premier jour sur l'air, la grange, etc. Et puis ces façons un petit peu sottes quelquefois de vouloir classer les gens, de dire qu'un tel était meilleur qu'un autre et tout. Il y a une grande défense de D'Alembert qui, moi étant co-éditeur des œuvres de D'Alembert, qui me fait très plaisir, de la part de Maurice, y compris avec la citation d'une lettre de l'air adressée de Berlin à un savant français dans les années 1752 et suivantes, que je ne connais pas dans la publication des œuvres la correspondance de l'air, où l'air lui-même dit « Monsieur D'Alembert a surtout le génie de l'invention et on le voit à tout ce qu'il fait. Son chef-d'œuvre est un ouvrage sur la précession des équinoxes et la nutation, et cette question est tout ce que l'on peut de plus difficile. Je suis dégoûté de travailler sur la théorie de la Lune, donc c'était en 1752, depuis surtout que M. D'Alembert a dit avoir une manière particulière de traiter les approximations et de fort peu négliger, etc. » C'est ce qu'on retrouvera dans les recherches au système du monde, publiées en 1754 et 1756, sur lesquelles est en train de travailler en ce moment Michel Chaperon. Voilà. Je ne continue pas la citation, mais cette lettre de Berlin adressée à un savant français, dont j'en ai discuté longuement avec Michel Chaperon, et on pense que ça ne peut être que Lalande, puisque justement il a été à Berlin peu de temps avant, etc. Donc on retrouve le rôle d'intermédiaire qu'a Lalande sur des questions qui pouvaient être relativement inattendues. Voilà, alors je vais maintenant passer assez rapidement à la suite, je pourrais pas tout vous dire, mais je vous propose de faire mourir Lagrange devant nous, c'est un peu émouvant peut-être. Vous avez ici, dans les archives, je pense que c'est un document qui est connu, dernière conversation du célèbre Lagrange recueillie par M. Chaptal. Mais vous avez un certain nombre d'autres renseignements dans ce qu'ont dit les médecins, etc. On s'est posé pas mal la question de savoir de quoi il était mort. On pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez. Mais je vous ai mis deux lettres là. C'est pages 10 et 11. Et si vous regardez bien ces deux lettres, d'ailleurs c'était peut-être visible sur d'autres. La première, elle est écrite en 1792. C'est une lettre, Le Monnier ou quelque chose comme ça. Ce sont deux lettres qui sont extraites, qui viennent de la bibliothèque municipale de Clermont-Ferrand. C'est dans la collection de Chazelle. C'est un ensemble de manuscrits qui a transité par Lavoisier et qui est ensuite allé à la famille de Chazelle, laquelle a déposé au XIXe siècle la bibliothèque municipale de Clermont. Donc regardez bien la signature sur la page 10 de Lagrange et regardez sa signature sur la page 11. Vous allez voir l'état difficile dans lequel se trouve Lagrange, son écriture tremblante, dès 1812. Donc on voit bien que c'était quelqu'un qui était un peu au bout du rouleau à cette époque. Voilà, donc Lagrange meurt. Ici, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'extrait du Moniteur. Et puis, qu'est-ce qu'il arrive à notre brave Maurice? Eh bien, c'est un peu, hier j'ai oublié bêtement parmi les contributions qui se trouvent dans ce livre de parler de celle de Luigi qui est intitulée Lagrange. Est-il citoyen ou entre guillemets sans papier, Eh bien, c'est un peu ce qui arrive à notre pauvre Maurice. C'est qu'il reçoit le 14 juin 1814 une lettre du ministre de l'Intérieur le révoquant de sa condition de préfet en lui disant « Monsieur, vous avez été un bon préfet, mais malheureusement, Genève n'est plus en France. » Donc, il va falloir faire autre chose. Et c'est pas qu'on vous aime pas, mais voilà. Et remarquez qu'il a été rapidement nommé maître de requête au Conseil d'État. Il n'y avait peut-être pas besoin d'être français pour ça. Genève, à l'époque, n'était pas en Suisse. Genève, le 31 décembre
1813, les troupes françaises ont évacué Genève, et tout de suite, il y a eu des négociations assez subtiles, hein, parce que quand il s'agit de leurs intérêts, les Genevois savent assez bien se débrouiller. Et ils ont rétabli soudainement la République genevoise, hein, et celle-ci n'a été rattachée à la Suisse que, ça j'ai pris cette photo à Genève l'autre jour, hein, que le 12 septembre 1814, c'est-à-dire 9 mois après. C'est ce qu'on appelle la combourgeoisie, hein, je trouve cette expression tout à fait agréable. Voilà. Donc, ce malheureux Maurice, vous voyez, est évincé de la préfecture de la Dordogne. Hein, je passe, donc. Ici, il s'agit des manuscrits de Lagrange à l'Institut, etc. Ben, ça, je passe aussi. Hein. Et puis, je vais arriver à d'autres points dans la vie de Maurice, hein, puisque... nous sommes à la Restauration, il ne suit pas Napoléon dans les 100 jours, hein, il reste fidèle à Louis XVIII. Il a plutôt des opinions relativement modérées, hein, puisque comme je ne vous ai pas dit encore, il va être disgracié de sa charge de maître de requête au Conseil d'État, en même temps que Royer-Collard et Camille Jordan, toujours le grand-père, hein, en 1820, par les ultras. Hein. Mais il reste avec des fonctions, il reste en France jusqu'en 1831. Hein. Il va rester faire un certain nombre de choses diverses, mais en particulier, il va être très proche de Legendre. Et là, vous avez une lettre de Legendre. Alors Legendre écrit, c'est très agréable, son écriture. Hein. Ça se lit bien. Et surtout, je vais vous parler de ce qu'ils ont fait en faveur d'Abel. Hein. Alors, je crois que je vous ai mis cette... J'ai dû en faire une... Je croyais en avoir fait une transcription. Je l'ai peut-être mis avant. Ah voilà, c'est ça. Je l'ai mise bêtement par page 5. Hein. C'est une lettre de Maurice à Legendre. Paris, mardi 9 septembre 1828. Et ça va vous montrer comment il a un certain sens pratique. Hein. Je n'ai pas perdu un moment, mon cher maître, c'est ce que Maurice dit à Legendre, dont il était très proche, pour chercher une manière de remplir vos vœux en faveur de M. Abel. Et le hasard m'a parfaitement secondé. J'ai trouvé, premièrement, un homme assez en relation avec M. l'ambassadeur de Suède pour se faire fort de me présenter à lui. En marge au crayon, donc quelqu'un a dû travailler là-dessus, hein, M. le docteur Koreff, et de l'engager à transmettre au roi la lettre dont vous m'auriez rendu porteur, et qui, de plus, étant l'ami du frère de cet ambassadeur, lequel est un des ministres d'État principaux à Stockholm, me promet d'appuyer chaudement auprès de ce ministre la démarche ouverte par la lettre en question. Deuxièmement, un autre homme, en marge au crayon toujours, il a écrit M. Gauthier d'Arc, en liaison étroite, entre parenthèses il se tutoie, avec le ministre des États-Unis en Suède, lequel est devenu l'ami du roi Charles Jean, et a l'honneur de vivre avec ce prince en familiarité. Voilà donc plus que nous ne pouvions désirer, car il écrira aussi à cet Américain, et ce moyen seul pourrait déjà suffire. Reste la lettre. Pour hâter la chose, j'ai croqué le projet suivant, que je soumets à votre critique. Quand vous l'aurez amendé, veuillez le transmettre à M. Poisson pour qu'il y fasse aussi ses corrections et me le renvoyer après. Je le recopierai en belle forme et le porterai lundi à l'Académie où vous le signeriez ainsi que M. Poisson et pourriez ensuite le faire signer à Messieurs Fourier, Cauchy et Poinceau comme je me chargerai de faire signer Ampère, parce qu'il était très proche d'Ampère. Hein ? Avec ces 6 noms, il y en aura assez. J'y mets de la presse parce que mon départ s'approche. J'attends mon fils le 16 ou le 17 pour partir avec lui le 23, mais la lettre signée le lundi 15, je la porterai à l'ambassadeur avant que de partir. Et puis il termine, 1000 vœux contre votre Qatar, donc Legendre était enrhumé, ce retour subit la chaleur, etc. Voilà.
Donc nous avons dans le dossier Legendre, dans les archives de la famille Maurice, un certain nombre de pièces comme ça, qui sont relatives à Abel, et y compris une pièce, alors ça c'est l'écriture de Poisson, ici, hein, dans cette affaire, et puis là c'est une pièce donc au moment de la mort d'Abel, du comte Löwenhielm, voilà, bah, je suis presque à la fin, c'est bon, hein, qui écrit à Maurice, hein, Paris, le 19 juillet 1829, donc ça doit être l'ambassadeur de Suède, monsieur le baron, c'est avec beaucoup, etc., etc., etc. Voilà. Donc je ne suis pas bien loin de la fin, voilà, des discussions avec Poisson, je passe, et puis Legendre. Alors, Legendre meurt début janvier 1833, et Maurice fait une notice biographique sur Legendre. Cette notice ne sera pas publiée dans la biographie universelle des frères Michaud, mais dans la bibliothèque universelle de Genève. Hein ? Mais celui qui fait la notice dans la biographie universelle des frères Michaud, c'est un personnage dont je pourrais vous parler, et tous, je suppose que vous rêvez de savoir qui est M. Parisot, eh bien, c'est lui, et je pourrais vous en dire un mot dans la discussion, si vous voulez. Je termine. Là, il y a une notice biographique sur L'Huillier, Simon L'Huillier, un savant mathématicien intéressant de Genève. Et je termine par poser une question, bien entendu, à Jean-Pierre Bourguignon et à Alain Albouy, hein, sur une polémique qu'a eue le baron Maurice avec Louville. Polémique qui se trouve dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, 1842, vous avez ça en ligne, vous pouvez trouver l'ensemble du dossier, sur le problème de l'invariabilité des axes, des planètes, etc., et tout ça, et sur la méthode de la variation des constantes. Et il publie ensuite, dans les mémoires de l'Institut, un mémoire de près de 80 pages sur le problème de la variation des constantes, et je crois d'ailleurs que je vous ai mis là, à la page 19, vous voyez, ce mémoire qui, lui, ne semble pas avoir été contesté, bien qu'il y ait peut-être lieu. Mémoire sur la variation des constantes arbitraires, comme l'ont établi dans sa généralité les mémoires de Lagrange du 22 août 1808 et du 13 mars 1809, et celui de Poisson du 16 octobre suivant. Ceci est lu à l'Académie des sciences le 3 juin 1844 par M. Frédéric Maurice. Donc je pense que ça a quelques rapports avec vos exposés. Hein, vous avez 3 minutes à peu près, hein, pour savoir qui a tort et qui a raison. Bon, il y a tout lieu de penser que Maurice a tort et que Liouville a raison, connaissant les uns et les autres. Hein, mais cela dit, je voulais attirer, pour terminer, votre attention sur la petite lettre qui est là, que vous n'arrivez pas à lire, mais dont je vais vous lire le début. Genève, le 24 mars 1842. Monsieur et cher confrère, permettez-moi, etc. Cette lettre est adressée à Libri. Guglielmo Libri. Guglielmo Libri, c'est un personnage tout à fait fascinant, hein, auquel je ne confierai pas mes manuscrits, mais un personnage relativement... intéressante dans la vie politique et dans la vie mathématique et pour l'histoire des mathématiques. Et alors, c'est donc à Libri, vous avez ça là, à la page 18, hein, ou 17, je ne sais plus, quelque part comme ça. Voilà, vous avez une lettre à la mort de Fourier, hein, une lettre de Maurice à Arago, lui disant, il faut, Fourier vient de mourir, 1830, hein, il faut que vous, une promotion pour Libri, etc., c'est quelqu'un de tout à fait remarquable et tout. Il est en relation avec lui, et il l'est encore en 1842, et alors la lettre que je vous ai mise là, page 18, est une lettre à Jean-Baptiste Dumas, au chimiste, hein, qui devait être secrétaire de l'Académie à cette époque-là, et la façon dont Maurice répond à Liouville, pour un mathématicien, des mathématiciens comme nous, c'est absolument désarmant. Vous allez voir la raison pour laquelle il a raison, hein, c'est la suivante. Une lettre de M. Liouville insérée par extrait, est-il dit, où mon travail est jugé rudement et sommairement
dans les termes les moins convenables entre confrères et les plus déplacés à l'égard d'un homme deux fois plus âgé que celui qui l'attaque sur ce ton, sans aucune espèce de motif, etc. Dit qu'il va répondre avec une extrême modération à ce ton tranchant et magistral, et il répond ceci: honoré 20 ans de l'intime amitié de Lagrange, près de qui je me trouvais quand il enfanta sa belle théorie, je pense la connaître aussi bien que celui qui, 30 ans après, la façonne à son gré pour la commodité de son argumentation. Voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas tout à fait le genre d'argument qu'on voudrait utiliser pour savoir qui a tort ou qui a raison, mais je vais m'arrêter ici. J'ai peut-être la possibilité de lire une petite conclusion rapide. Hein ? D'abord en remerciant les organisateurs de m'avoir invité à parler un 17 avril, parce que c'est le jour même de la mort du baron Maurice, hein, quand même. Et puis, ma conclusion, qu'est-ce qu'on a appris ? Rien de décisif, évidemment, sur Lagrange. Hein, seulement des détails par-ci par-là, mais quand même quelques lettres inédites, des précisions sur sa façon de travailler, sur sa santé et sa fin, un meilleur calendrier sur la nouvelle édition enthume et posthume de la mécanique analytique, tome 1 et 2, sur l'élaboration et les dessous des éloges et notices biographiques, sur la succession de Lagrange au bureau des longitudes et à l'académie, sur ses manuscrits, sur la façon dont son œuvre est comprise, et des informations éparpillées sur la Lande, le Gendre, la Croix, Poinceau, Poisson, Prony, Chaptal, La Place, Ampère, Abel, L'Huillier, etc. Bon. Bien sûr, nous en avons appris ou nous aurions pu en apprendre davantage sur Genève et sa vie intellectuelle, sur le travail d'un préfet, sur la biographie universelle des frères Michaud, sur Maine de Biran et les philosophes du premier tiers du XIXe siècle, etc. Mais cette communication, vous l'avez bien compris, n'était que programmatique. Il reste d'autres sources à exploiter plus sérieusement. Rien de cela, certes, ne change la perspective, mais une remarque importante s'impose. Lagrange souffre aussi, paradoxalement, de sa modernité. Hein ? Comme l'ont dit certains intervenants, divers mémoires de lui semblent avoir été écrits hier, et le mathématicien d'aujourd'hui a souvent l'illusion de lire un de ses collègues vivant. Or, il existe une édition des œuvres soi-disant complètes, hein, de Lagrange, qui date de près d'un siècle et demi, mais elle n'est absolument pas satisfaisante, elle n'est ni chronologique, ni thématique, ni complète, ni fidèle. Aucun inventaire des manuscrits, aucun inventaire de la correspondance, aucune mention des variations, aucune mise en contexte. Sauf pour la correspondance, hein, qui n'est pas trop mal faite vis-à-vis de nos critères, mais uniquement en correspondance avec les grands savants. Hein, assez bien publiée par Ludovic Lalanne dans les tomes 13 et 14. Tout le reste est présenté comme des objets figés et les processus de création sont totalement cachés. Alors, le bicentenaire de la mort de Lagrange ne pourrait-il pas être un nouveau point de départ pour un inventaire critique des sources et une édition digne de ce nom à laquelle ont droit Euler, les Bernoulli, d'Alembert, etc. Il y a bien entendu de nombreux travaux qui ont été effectués ces dernières années, commencé par l'inventaire de ces imprimés par Taton, par les travaux de gens qui sont ici et que je ne cite pas pour ne pas les faire rougir, hein, et qui montrent que cette suggestion n'est pas irréaliste. Mais c'est la nouvelle génération qui doit s'en emparer. Je vous remercie. Oui, la question de l'édition de Lagrange. Nous nous sommes intéressés à ce chapitre-là pour un colloque qu'on a eu sur l'histoire des maths et édition critique à Trento. J'avais un peu travaillé avec Thérèse sur ce sujet. Et la question, c'est que l'édition de Lagrange n'est pas très bien faite, mais elle n'est pas tellement mauvaise. Et alors, comme il y a des gens comme Monge, par exemple, qui n'ont pas des éditions, les gendres qui n'ont pas du tout d'édition, Clairaut, etc., alors il semble que mettre les mains sur une grande entreprise comme l'édition de Lagrange soit peut-être à participer aux éditions des autres. C'est pour ça que personnellement j'ai abandonné le projet il y a quelques temps, et
Et je me suis, par exemple, dédié plutôt à des choses que moi j'ai fait en Italie pendant la période napoléonienne, qui me semblait plus important pour l'histoire même civile de notre pays. Merci. Other question? Par exemple, les notations sont changées. Ça est remarquable. Certaines notations dans les ouvrages de Lagrange sont changées aux éditions originales. Il faut avoir bien des soins sur... Évidemment, pour des historiens des mathématiques, c'est évidemment scandaleux, d'autant plus que quelquefois, il s'agit de notations qui sont nouvelles chez Lagrange. Donc, ça gomme complètement le... Bon, voilà. Attention à ces choses-là. Je passe directement de la mission. Je voulais juste te demander si tu l'as sous la main, et si ce n'est pas trop long, de poursuivre la liste des bons conseils ou des bons préceptes de Lagrange, préceptes de travail, pour le bénéfice de ceux d'entre nous qui n'auraient pas sous la main le moniteur de 1814. Mais je l'ai tapé, donc je peux en faire une photocopie et le donner demain. Je peux lire peut-être juste le début. Hein? Je te prie de le donner parce qu'il est très important. Voilà. Assez très connu. Donc, alors, je n'étudiais jamais dans le même temps qu'un seul ouvrage, mais s'il était bon, je le lisais jusqu'à la fin. Je ne me hérissais point d'abord contre les difficultés, mais je les laissais pour y revenir ensuite 20 fois s'il le fallait. Si après tous ces efforts, je ne comprenais pas bien, je cherchais comment un autre géomètre avait traité ce point-là. Je ne quittais point le livre que j'avais choisi sans le savoir, savoir souligné. Et je passais tout ce que je savais bien quand je le rencontrais de nouveau. Je regardais comme assez inutile la lecture des grands traités d'analyse pure. Il y passe à la fois un trop grand nombre de méthodes devant les yeux. C'est dans les ouvrages d'application qu'il faut les étudier. On y juge de leur utilité et on y apprend la manière de s'en servir. Selon moi, c'est aux applications qu'il convient surtout de donner son temps et sa peine. Et il faut se borner en général à consulter et souligner, les grands ouvrages sur le calcul, à moins qu'on ne rencontre des méthodes inconnues ou curieuses par leurs usages analytiques. Je lisais toujours la plume à la main, développant tous les calculs et m'exerçant sur toutes les questions que je rencontrais. Et je regardais comme une excellente pratique celle de faire l'analyse des méthodes et même l'extrait des résultats quand l'ouvrage était important ou estimé. Dès mes premiers pas, j'ai cherché à approfondir certains sujets pour avoir occasion d'inventer et à me faire autant que possible des théories à moi souligné, sur les points essentiels, afin de les mieux graver dans ma tête, de me les rendre propres et de m'exercer à la composition. J'avais soin de revenir fréquemment aux considérations géométriques que je crois très propres à donner au jugement de la force et de la netteté, et comme on l'a dit ce matin, et une fois que j'ai fait des figures, à les cacher dans mes ouvrages, mais ça il ne l'a pas ajouté. Enfin, je n'ai jamais cessé de me donner chaque jour une tâche pour le lendemain. L'esprit est paresseux, il faut prévenir sa lâcheté naturelle et le tenir en haleine pour en développer toutes les forces et les avoir prêtes au besoin. Il n'y a que l'exercice pour cela. C'est encore une excellente habitude que celle de faire autant qu'on le peut les mêmes choses aux mêmes heures, en réservant les plus difficiles pour le matin. Alors, il y a des témoignages qui disent qu'en fait, ils travaillaient de 18h à minuit, hein, et que le matin, ils faisaient des choses où ils pouvaient être dérangés, parce qu'on était souvent dérangés. Donc, il faut peut-être voir ça de plus près. Alors qu'au contraire, D'Alembert, lui, travaillait le matin. Hein, il était incapable de travailler le soir. Bon, je l'avais prise du roi de Prusse, et j'ai éprouvé que cette régularité rend peu à peu le travail plus facile et plus agréable. Et puis, bon, bah, il dit un certain nombre d'autres choses, mais enfin, on ne va pas... Other question? Je vais te prendre à ton propre piège, parce que dans les documents que tu m'as, qu'on vient de me transmettre, donc je n'ai pas eu le temps de lire, en fait, j'ai déjà donné ma réponse dans un pli cacheté du 19 septembre 1841. Il se trouve qu'il y a un pli cacheté qui a été déposé par un monsieur Bourguignon, qui est mentionné dans cette séance. Je pense que tu n'avais pas vu que mon nom était caché là. Donc. Eh ben oui, c'est la réincarnation. Et on peut...
Ouais. Vous pouvez savoir la réponse. Ouais. Alors, on leur donne toute la nuit, puis ils pourront nous dire ça dans la discussion générale. Hein? Tomorrow. Thank you very much.